Mesdames et messieurs de la presse, bonsoir. Très heureux de vous retrouver à nouveau dans le cadre de cet exercice de redevabilité. C'est le briefing que nous faisons à notre retour de Kisangani. Vous avez suivi les événements qui s'y sont déroulés. En dehors du Conseil de ministres, vous avez vu les activités que le président de la République, chef de l'État, a déployées, notamment dans le cadre de la solidarité pour les compatriotes qui ont été victimes de la guerre qui avait fait rage il y a quelques années entre les deux armées rwandaises et ougandaises. Le président de la République s'est non seulement recueilli au mémorial, mais il a eu aussi l'occasion de compatir avec certaines familles et évidemment dans le cadre de Frivao, de poser les gestes du gouvernement en termes de réparation. Mais ce n'était pas seulement cette dimension de sa visite, c'était aussi les infrastructures. Vous avez suivi qu'avec le ministre d'État, ministre des ITPR, nous avons fait le point des travaux qui sont en cours, pas seulement dans la ville de Kisangani, pas seulement dans la province de la Tchopo, mais aussi dans toute cette partie du territoire où beaucoup des investissements sont en cours. C'était aussi la jeunesse, le sport, parce que le président de la République a eu l'occasion de faire le tour des infrastructures, notamment en visitant les stades de Kisangani. C'était aussi la sécurité, tout l'état-major général, le commandement général de forces armées de la République démocratique du Congo s'y est retrouvé autour du président de la République pour une réunion du Conseil supérieur de la défense. Et c'est un conseil de ministres qui est arrivé vendredi. Il faut rappeler ici que c'était le premier déplacement du président de la République dans le cadre de l'itinérance qu'il avait promis après la campagne électorale. Évidemment, c'est sûr que dans le jour qui vient, toutes les provinces de la République démocratique du Congo pourront non seulement avoir le privilège de la visite du président de la République, mais aussi tous les membres du gouvernement qui, à intervalles réguliers, y seront parce que nous sommes un gouvernement de proximité. Voilà plus ou moins résumé les séjours du président de la République. Vous avez tout suivi, on aura peut-être l'occasion de revenir sur quelques aspects. Mais ce soir, nous allons discuter du dialogue social. Vous savez que le dialogue social, c'est cette stratégie mise en place pour le gouvernement en termes de plateforme d'échange régulier avec les organisations syndicales, que ce soit dans les secteurs de la santé, de l'éducation, l'enseignement supérieur ou bientôt du régime général. Mais parce que nous avons le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, qui a été reconduit à ses fonctions, nous aurons aussi l'occasion de faire le point de la réforme. Voilà, monsieur le vice-premier ministre, je vous remercie de revenir dans ces cadres de redevabilité, bien avant que nous puissions d'ailleurs aller dans les vifs du sujet. À Kisangani, j'ai remarqué que vous aviez une filiation particulière là-bas. Et nous avons vu les populations boyomaises, comment elles étaient enthousiastes de recevoir le président de la République, qui devait revenir vendredi soir, mais qui a décidé de prolonger une nuit parce que lui-même, il disait qu'il se sentait très, très bien du fait de cet accueil et du fait de cette chaleur, un peu comme partout en République démocratique du Congo. Comment vous, en tant que ressortissant, vous êtes ressortissant du Congo, mais en ayant des filiations particulières avec cette province, comment l'avez-vous vécu? D'abord, bonsoir à toutes et à tous. Tous les journalistes ici présents. Mais comment on peut vivre un tel événement? Évidemment, de manière tout à fait heureuse. Heureux de voir que la volonté de Son Excellence, Monsieur le Président de la République, s'est concrétisée. Cette volonté, il l'avait exprimée depuis la campagne électorale. Celle de débureaucratiser en quelque sorte l'action gouvernementale, de faire en sorte que les décideurs se rapprochent le plus possible des citoyens. Il faut éviter, et je crois que c'est ça la vision du président de la République, que les décisions que nous prenons le soient sur base de simples rapports de nos experts. L'idée, c'est de véritablement aller descendre, aller palper du doigt les réalités dans le Congo profond et faire la décision, prendre des décisions sur base de
desiderata, la population. Desiderata, c'est-à-dire qu'exprimé par la population. C'est un bel exercice à réitérer de manière permanente. C'est ce que veut le président de la République et je pense que c'était tout à fait une bonne chose. Voilà, monsieur le vice-ministre, vous avez été reconduit, comme je le disais, à ces fonctions et dans les cadres du gouvernement dirigé par la première ministre Judith Suminoy. Nous avons passé il y a quelques jours le cap de 100 jours, donc nous aurons l'occasion de faire le point de vos différentes réformes, mais spécifiquement au conseil de ministres du vendredi, vous êtes intervenu pour annoncer en tout cas une bonne nouvelle d'un processus qui avait déjà commencé. D'ici la fin de l'année, plus de 10 000 Congolais éligibles à la retraite pourront y avoir accès. Et d'ailleurs, dans votre présentation, nous avons tous appris qu'il y avait des fonctionnaires qui étaient nonantenaires et dont certains centenaires. Peut-être que vous pourrez nous en dire un peu plus. Et puis, nous vous avons vu chez le président de la République avec des gros documents. Monsieur le vice-premier ministre, peut-être ce soir, vous pouvez nous dire combien de fonctionnaires il y a en République démocratique du Congo, parce que ça fait partie de la panoplie des réformes que vous avez initiées. On peut être obsédé par ces chiffres, le nombre de fonctionnaires. Il faut avoir aussi l'écosystème tel que nous le mettons en place pour effectivement non seulement connaître les nombres de fonctionnaires, mais aussi essayer d'améliorer leurs conditions socio-professionnelles, leurs conditions salariales, afin d'atteindre l'objectif tel que visé par le président de la République, que c'est lui donc de doter notre pays d'une administration publique efficace, efficiente, qui soit au rendez-vous donc de résultats et qui puisse permettre à ce que les Congolaises et les Congolais puissent donc être réconciliés comme ça avec le service public digne de ce nom. Donc l'idée, c'est que le président de la République nous a confié d'abord, comme vous le savez, la mission de redresser notre appareil administratif. Je l'avais dit la fois dernière que ça passait par une thérapie des chocs, des réformes structurelles, structurantes, systémiques et même donc existentielles, ici même. Et donc c'est ce que nous sommes en train de faire pour essayer d'être à la hauteur de cette mission. Il fallait donc d'abord maîtriser les effectifs et la masse salariale qui va avec, d'où l'idée donc de l'identification biométrique des agents et fonctionnaires de l'État ici à Kinshasa, mais aussi à travers tout le territoire national. Parfois dans des conditions difficiles, les fonctionnaires identificateurs ont travaillé âprement. Et je voudrais aussi saluer leur bravoure, leur courage, parce qu'ils ont travaillé parfois dans des conditions extrêmement difficiles. Et donc, c'est à la faveur donc, de cette gymnastique, de ce travail que nous avons pondu, nous avons réussi à avoir ces annuaires, pour une première fois dans notre pays, des annuaires alphabétiques et numériques de tous les agents et fonctionnaires de l'État dans notre pays. On a commencé par donc cette publication qui concerne d'abord, dans un premier temps, les agents et fonctionnaires de l'État des services centraux ici à Kinshasa et des divisions urbaines. Et dans un second temps, nous avons reçu quitus de la part du président de la République pour que nous commencions donc la publication concernant les provinces. On va prendre le Grand Kasaï, le Grand Katanga, le Grand Équateur, le Grand Bandundu, le Grand Kivu, Congo central, et ainsi de suite. Et ensuite, l'identification ne suffisant pas, nous avons pris soin, vous le voyez souvent, de révisiter tous les cadres et structures organiques de nos administrations publiques, avec des référentiels des emplois assortis de maxima des effectifs à ne plus jamais dépasser. Parce que ce que nous connaissons aujourd'hui, c'est en réalité, il faut dire les choses comme elles sont,
le fruit, nous récoltons le fruit de notre propre irresponsabilité, j'ose les mots, irrationalité, peut-être peut être un mot beaucoup plus tendre, mais les choses sont telles qu'elles sont, avec des effectifs qui ont totalement débordé. Nous avons recruté sans observer le cadre organique, sans respecter les cadres juridiques. Et donc, nous avons essayé donc, de corser les choses, de préciser, de clarifier la situation, mais en même temps de renforcer les cadres juridiques pour non seulement essayer d'avoir plus de discipline, mais beaucoup plus de rationalité avec une interdiction de recrutement ou d'affectation de NU sans préalablement avoir une gestion prévisionnelle des effectifs et une gestion programmatique en termes budgétaires. Ensuite, à part cette phase de réforme, il y a aussi, donc, vous l'avez dit, la retraite. La retraite et donc la mise en place d'un nouveau système de sécurité sociale des agents publics de l'État dans notre pays, avec la cohabitation aujourd'hui d'une retraite principale, qui est retraite de base, et qui, elle, est faite issue, résulte d'une retraite, comme on dit, d'une retraite, d'un système, allais-je dire, de répartition qui cohabite avec le nouveau système que nous avons mis en place, qui est un système donc de retraite par capitalisation. Et nous avons essayé d'améliorer nettement les pensions et les rentes pour permettre à ce que la retraite puisse cesser d'être un couloir menant vers la mort, que ce soit véritablement une vie après la carrière. Alors, 11 000 agents plus ou moins ont été mis à la retraite en 2022. En 2023, nous avions eu, vous l'avez dit, des difficultés d'ordre financier au regard de dépenses liées à l'organisation des élections. Mais cette fois-ci, nous allons faire une sorte de remontada en 2024 avec plus ou moins, un peu moins de 10 000 avec la dépréciation du franc congolais. Nous serons à peu près, plus ou moins, nous approcherons 10 000, mais ça sera peut-être, selon les estimations, finalement 9 000 agents. Je souligne que le 11 000 déjà en 2022, lorsque nous les avons mis à la retraite, dans des conditions, avec des conditions améliorées, parce qu'à l'époque, un fonctionnaire était mis à la retraite avec une indemnité de fin de carrière de 2 000 $, estimée à plus ou moins 2 000 $, tout grade confondu. Et lorsque nous l'avons fait, c'était amélioré. Je crois que le huissier, l'agent le moins gradé, était parti avec plus ou moins 8 000 $. Et le plus haut, c'était à peu près 20 000 $. C'était vraiment une amélioration vertigineuse. Monsieur le vice-premier ministre, excusez-moi, mais ce n'est pas l'objet principal. Ce n'est pas l'objet principal. C'était important de le dire, parce que finalement, vous savez, nous avions parlé de l'identification biométrique et des annuaires que nous avions eu à publier ici à Kinshasa, et donc globalement de la maîtrise des effectifs, qui comporte un triple enjeu, d'abord stratégique, économique et ensuite sociale, stratégique, parce que finalement, la maîtrise des effectifs nous permet de planifier l'avenir, de planifier la retraite. Une administration qui n'a pas de retraite, qui ne retraite pas, c'est une administration qui est bloquée, monsieur le ministre. Donc, il n'y a pas de rajeunissement. Il n'y aura jamais de mouvement de carrière dans la carrière, les promotions en grade, les titularisations. Et c'est ce que nous avons vécu pendant toutes ces années. Ensuite, c'est l'enjeu économique, parce qu'avec ça, nous savons capter des économies. Nous savons capter des économies qui, en écartant notamment des fonctionnaires qui étaient dans l'irrégularité, qui étaient des faux fonctionnaires, des cumulards, des doublons, des détenteurs de faux numéros matricules, et ces économies peuvent être affectés utilement ailleurs pour la construction de routes, des écoles, des hôpitaux.
On ne peut pas prendre tout l'argent, tout le budget de l'État et l'affecter pour la rémunération des agents fonctionnaires de l'État. Ensuite, il y a l'enjeu social, parce qu'une partie de ces économies, justement, ça sera ça l'objet du dialogue social tout à l'heure, peut servir à augmenter la rémunération, à améliorer, si vous voulez, les traitements, la rémunération des agents et fonctionnaires de l'État. Beaucoup d'autres réformes, évidemment, ont été réalisées. La dématérialisation, je pense ici à tout ce qui touche à la sécurité sociale, je l'ai dit, mais aussi à l'amélioration des conditions de travail et de carrière, au mouvement des carrières des agents et fonctionnaires de l'État. Mais voilà, grosso modo, un tout petit peu ce que je pouvais vous dire en termes de réformes qui ont été donc implémentées depuis notre dernier passage. Alors, au dernier Conseil de ministres, la Première ministre a saisi l'occasion justement de cette réunion du Conseil, je la cite, « l'occasion pour moi de saluer depuis la ville de Kisangani, province de la Tchopo, où se tient le présent Conseil de ministres, l'essence élevée, les responsabilités dont ont fait preuve les différents syndicats au cours des négociations ». Alors, monsieur le vice-premier ministre, la Première ministre parle justement de faire du dialogue social un levier essentiel de l'action publique dans tous les secteurs. Nous sommes au mois d'octobre, c'était la rentrée académique aujourd'hui, c'était les mois de septembre, il y avait des remous pour la rentrée des enseignants, c'était les médecins, ce sera bientôt les régimes généraux. On ne voudrait pas parler de ceux qui ne grèvent pas, mais qui nous protègent, les politaires, les miliciers, les policiers, les militaires et les policiers. Nous voulons ce soir que vous puissiez nous faire un bref résumé de toutes ces discussions avec les sous-secteurs de l'enseignement primaire, ce qui a été convenu, des issues de la santé, et nous dire finalement sur quoi, c'est quoi le socle justement de toutes ces discussions que nous faisons de manière régulière, parce qu'il y a un cadre qui a été instauré pour nous permettre d'éclairer les parents, dont certains en tout cas étaient inquiets jusqu'aux dernières semaines en disant que la rentrée scolaire n'était pas encore effective partout. Écoutez, monsieur le ministre, je crois que les Congolais sont conscients des efforts que nous fournissons depuis que nous sommes aux responsabilités afin d'améliorer les conditions salariales des agents et fonctionnaires de l'État. Je l'ai dit tout à l'heure, pourquoi j'ai ramassé, et à juste titre, toutes ces réformes comme je venais de bosser. Parce que pour pouvoir améliorer les conditions socio-professionnelles, les conditions salariales des fonctionnaires, il faut d'abord redresser la situation globale. Et il faut savoir dire les choses comme elles sont, poser les bons diagnostics et faire en sorte que, ensemble avec les agents et fonctionnaires de l'État eux-mêmes, nous puissions tracer la voie qui peut nous conduire vers l'avenir. Et nous, vous l'avez dit, vous l'avez rappelé, nous avons tout de suite considéré les dialogues sociaux comme l'arme idéale pour pouvoir garantir la paix sociale dans le pays. Depuis que nous sommes là, nous avons agi pour faire en sorte que le partenaire social soit considéré, soit respecté. Nous sommes conscients des difficultés que rencontrent les agents et fonctionnaires de l'État. C'est pour cela que nous sommes en train de nous battre pour améliorer leur situation. Mais cette situation est bien complexe, parce que nous héritons d'un passif qui est lourd. Après, je ne vais pas esquiver notre responsabilité à redresser la barre et donc à affronter le problème, à trouver des solutions idoines. Et c'est ce que nous faisons. Nous le faisons pas seulement de manière
ponctuelle, parce que la volonté du président de la République, c'est de ne pas trouver, de ne pas donner des solutions cosmétiques, ponctuelles à ces problèmes-là qui ont pris racine depuis des décennies dans notre pays. Parce que lorsque nous parlons des agents et fonctionnaires de l'État, nous devons bien dire qu'il s'agit des agents qui prestent depuis 10, 15, 20 ans, voire 25 ans, 30 ans, et qui n'étaient pas rémunérés. Lorsque je suis arrivé aux responsabilités, il n'y a que 182 000 agents et fonctionnaires d'État qui étaient rémunérés. 182 000. Et depuis que nous sommes là, nous avons agi pour que, ne serait-ce d'abord au titre du salaire de base, de manière générale, nous puissions le plus possible faire de l'inclusion salariale. Donc, payer des fonctionnaires qui étaient non payés. On les appelle des NP, qui étaient là depuis 20 ans. 30 ans, comme je venais de le dire. Et figurez-vous qu'en 3 ans, nous allons vous mécaniser 171 000. En 3 ans. Contre, vous pouvez vérifier, ce sont au niveau de la direction de la paye, de données qui sont tout à fait disponibles. Et contre 12 800 agents en 20 ans, lors des années des régimes précédents. Donc là, il n'y a pas photo, il n'y a pas match. La volonté, elle est là. Elle est là et je pense qu'elle est incontestable. Et nous continuons avec ces processus d'inclusion salariale. Parce que la rémunération du fonctionnaire congolais aujourd'hui est constituée d'un salaire de base plutôt faible et d'une prime, nous faisons en sorte que nous puissions aussi, le plus possible, améliorer et aligner les agents et fonctionnaires d'État qui ne l'étaient pas à la prime. D'abord, pour améliorer, nous avions, comme vous le savez, augmenté toutes les primes à hauteur de 12% avec la diminution, le nivellement vers les bas de l'IPR de 15 à 3%, qui pesait sur toutes les primes. Et lorsque vous baissez comme ça l'IPR de 15 à 3%, ça veut dire que vous renforcez le pouvoir d'achat des fonctionnaires. Mais c'est vrai que nous n'avons pas été aidés par la dépréciation du franc. Les efforts sont aujourd'hui en cours pour essayer de lutter contre cette dépréciation. Et nous espérons que nous allons remonter la pente. Mais le fait est que nous avons essayé d'agir pour de soutenir le pouvoir d'achat de fonctionnaires. Et nous allons continuer, évidemment, dans ce sens-là. Vous avez parlé de la santé. Je prends le secteur de la santé d'abord pour commencer. Je voudrais ici donner quelques chiffres, si vous le permettez. Parce que bien souvent, nous parlons d'amélioration sans parler chiffres. On entend parler des grèves par-ci, des grèves par-là. On fait des commissions paritaires. Le gouvernement ne respecte jamais ses engagements, ce qui est totalement faux. C'est vrai que j'ai parlé d'un lourd passif que nous avons trouvé, mais nous nous battons pour essayer de relever les défis. Parce que lorsque on est aux responsabilités, notre rôle, ce n'est pas celui de se plaindre. Il faut trouver des solutions. Et c'est ce que nous essayons de faire. Et grâce au dialogue social, et je voudrais ici saluer toutes les organisations syndicales de la santé, de l'EPST, du sous-secteur de l'ESU, mais aussi plus globalement de l'INAP, l'intersyndicale de l'administration publique, pour le sens de responsabilité dont elles font toujours montre. Ce pragmatisme qui nous permet toujours de trouver des compromis républicains et réalistes pour ne pas faire effondrer notre pays. Parfois nuitamment, parce que je dois rappeler que plusieurs fois, vous passez la nuit aux côtés des bancs syndicaux. Ah, nuitamment, oui. C'est notre dada. Et je vous dis, la dernière fois, nous avons fait une réunion, nous avons tenu une réunion de 14h à 9h du matin. Vous imaginez, pour suspendre à 9h et recommencer à 10h, une heure de repos, c'était tout simplement invivable. Mais c'est parce que porté par la volonté,
déterminé à accompagner le progrès qui s'est enclenché depuis l'arrivée de son Excellence, Monsieur le Président de la plus haute responsabilité, eh bien, il faut passer parfois par ces genres de sacrifices. Alors, pour le secteur de la santé, disais-je, qu'est-ce que nous avons obtenu jusque-là à la faveur de toutes ces commissions paritaires depuis que nous sommes aux responsabilités? Nous avons obtenu, en parlant de chiffres, l'alignement à la prime des risques de 34 851 agents. Ça, c'est avant la dernière commission paritaire. J'exclus donc le quatrième trimestre. De toutes les catégories professionnelles, donc entre le quatrième trimestre 2021, qu'on est arrivé, et le troisième trimestre 2024. Dont les administratifs L2 et maîtrise, 773. Administratifs, 5261. Autres pro santé, 5531. Les chirurgiens dentistes, 114. Les infirmiers, 13215. Les médecins physiques, 39. Médecins vétérinaires, 304. Les médecins, 5734. Les pharmaciens, 438. Pro santé L2 maîtrise, 3442. Ceux qui ne touchaient jamais à la prime des risques et qui ont été introduits, insérés au fichier paye pour recevoir leur prime des risques. Et ces efforts continuent parce qu'ici, comme je l'ai dit, il faut exclure T4 qui a aussi donc son quota. Pour la mécanisation au traitement de base, de 15 000 agents payés entre la même période, nous avons 59 administratifs L2 maîtrise, 9021 administratifs tout court, donc qui sont en dehors de la catégorie L2 et maîtrise. Autres pro santé, ça veut dire les kinésithérapeutes et autres, 3716. Les chirurgiens dentistes, il y en avait 6. Les infirmiers, 1291. Le médecin physique, 4. Les médecins vétérinaires, 15. Les médecins, 1137. Les pharmaciens, 13. Les pro-santé et maîtrise, pro-santé L2 et maîtrise, 541. Nous avons aussi réajusté la rémunération de 5177 médecins promus en grade par les présidents de la République. Et le gouvernement s'est engagé aussi donc, à procéder au réajustement de leur rémunération à la paye donc, du mois d'octobre 2024. Et évidemment, de payer également aux médecins le deuxième palier de 35% des indemnités de transport et de logement à la paye donc, du mois d'octobre 2024 et de solder en même temps les 30% restants au prochain trimestre. Nous avons aussi régularisé la situation administrative de 91 117 agents de la santé, dont les administratifs 27 764, autres pro santé 15 750, les chirurgiens dentistes 449, les infirmiers 20 290, les médecins physiques, 86. Les médecins vétérinaires, 408. Les médecins, 15 330. Les pharmaciens, 580. Pro santé L de maîtrise, 5 063. Les techniciens vétérinaires, une première, 5 397. Après, il y a des perspectives que nous avons définies lors de la dernière commission paritaire à Bibois, avec l'alignement encore à la prime des risques, au T4, de plus ou moins 1000 médecins, pour le médecin, 1000, dont 800 unités du régime général et 200 médecins du FARDC et de la police nationale congolaise. Les administratifs, 500,
les administratifs L2, 150, autres pro santé, 500, dentistes, 50, infirmiers, 1500, médecins physiques, 20, médecins vétérinaires, 100, les pharmaciens, 100, notamment. Et puis les pro santé L2 maîtrise 700, dont 50 FARDC et 25 PNC, techniciens vétérinaires, 500. Et vous voyez les efforts qui donc ont été déployés pour essayer d'aider le secteur de la santé à pouvoir toujours aller de l'avant. Je vais peut-être enchaîner directement avec le secteur de l'EPST. Oui, s'il vous plaît. Pour l'EPST, parce que vous avez parlé des enseignants qui sont nos héros, c'est de ceux qui nous apprennent, nous ont appris à lire et à écrire, à être des hommes et des femmes des valeurs que nous sommes. Et je n'ai jamais oublié le fait que c'est grâce à l'éducation qu'un enfant élevé par une mère sourde, muette, était devenu prix Nobel de littérature. Il s'appelait Albert Camus. Et donc l'éducation, c'est quelque chose d'essentiel dans la vie d'un homme, d'une société, dans la marche d'une nation. Mais lorsque nous abordons cette question, nous devons le faire en toute responsabilité, en évitant des polémiques politiciennes, en évitant des lectures simplistes. Ah, député Bazouak a combien, Bissou Touzouak a combien. Il ne s'agit pas de cela. Il ne s'agit pas de faire des comparaisons. Là, on parle d'un corps qui comporte plus de 700 000 personnes. 700 000 personnes. Donc, lorsque nous le faisons, nous devons le faire avec réalisme, mais avec une certaine humanité. Il faut se mettre à la place des enseignants qui souffrent. Et il faut se battre pour que leurs solutions puissent... Mais je dois rappeler spécifiquement que pour les enseignants, le président de la République vous a chargé, entre autres, d'y réfléchir pour leur accorder un statut... Absolument. Donc ici, les efforts sont assez particuliers. Il y a d'abord, d'un côté, des efforts tendant à améliorer leur rémunération actuelle, mais en même temps, conformément donc à la volonté de son Excellence Monsieur le Président de la République, leur accorder aussi le statut général de fonctionnaire pour pouvoir bénéficier d'un certain nombre d'avantages au regard du fait que leur carrière aujourd'hui est en réalité une carrière assez précaire. Je souligne, s'agissant de l'amélioration, qu'en 2019, l'enveloppe mensuelle de paye des enseignants est passée, lorsque le président de la République est arrivé aux responsabilités, des 70 milliards 155 millions à plus ou moins 112 milliards 784 millions. Tout un symbole. En 2020, il y a eu la prise en charge de tous les enseignants de autres niveaux, maternels, secondaires et ceux qu'on appelle enseignants assis, donc des administratifs, identifiés par le ministère de l'EPST, faisant passer donc l'enveloppe salariale de paye des enseignants à 112 milliards 564 millions, plus ou moins. Alors, en 2021, il y a eu le paiement des allocations donc, de fin de carrière à plus ou moins 4 439 enseignants du primaire et donc le paiement de la prime de la gratuité à tous les enseignants du primaire. Et en 2022, avec le ministre Tony Mwaba, il y a eu la prise en charge de plus de 70 226 enseignants dits NU, avec un réajustement de la prime de la gratuité à chaque enseignant par l'octroi d'une prime, disons, d'une enveloppe supplémentaire de plus ou moins 30 000 par enseignant, avant évidemment la dépréciation. Et puis il y a eu réajustement des frais de fonctionnement des écoles, comme vous l'avez certainement appris. En 2024, nous avons pris en charge plus ou moins 7 000
829 enseignants non payés du secondaire, avec un ajout, donc comme vous l'avez appris, de 100 000 francs à tous les enseignants pour un effectif global de 698 194 enseignants de tous les niveaux. J'ai dit que lorsqu'on dit 100 000, il faut voir l'impact. Lors du gouvernement passé, les enseignants attendaient 20 000 avec beaucoup de difficultés. Ici, on a pris 100 000. On peut être tenté de dire mais 100 000, ce n'est pas vraiment beaucoup. Mais c'était d'abord pour faire récupérer, parce que le moins gradé de tous les enseignants qui avaient plus ou moins 100 dollars dans le fin fond du pays avait 240 lorsque le dollar était encore à 240 000. Et donc, il fallait essayer de faire, dans un premier temps, de faire une indexation et un réajustement par rapport au taux. Et c'est ce qui a été fait, déjà, au titre de salaire complémentaire. Ça a été payé aux enseignants. Et nous sommes en train maintenant de compléter l'autre partie pour que ça fasse 100 000. Mais nous avons insisté sur le fait que le chiffre de 700 000 enseignants que je viens de dire était un chiffre qui n'était pas exact et qu'il fallait donc, un peu comme dans le régime général au niveau de la fonction publique, on peut parler chiffres si vous voulez, assainir, il faut assainir les fichiers des enseignants et nous avons pris des engagements pour que des économies qui seront donc tirées de cet assainissement, toutes les économies, et nous avons un accord formel avec le ministre des Finances, le ministre du Budget d'abord, Aimé Boji Sangara, et le ministre des Finances, Dodo Fomba Likunde Libotai, pour que nous puissions effectivement faire en sorte que toutes ces économies puissent servir à améliorer. Et vous verrez que ces économies seront colossales. Parce que je signale que je parlais de 171 000 agents mécanisés, mais c'est sur base des économies. Parce que nous avons extirpé du fichier des décédés, des fraudeurs, des fictifs. Nous trouvons encore aujourd'hui des économies, encore en T4, nous venons de mécaniser. T4, ça veut dire quatrième trimestre. Quatrième trimestre, c'est-à-dire que mois d'octobre, là, courant, donc à partir d'octobre, il y a eu 16 000 nouveaux fonctionnaires qui n'étaient pas payés, qui le sont, parce que la paie est déjà passée. Et donc, avec un assainissement drastique, rigoureux, et une meilleure gestion du fichier, on va dégager des économies pour améliorer sensiblement... Monsieur le ministre, permettez alors sensiblement la rémunération. Que nous puissions prendre les questions de... Ensuite, pour terminer, s'il vous plaît. J'aurais peut-être pas le temps de parler alors de l'ESSU, mais... Peut-être très rapidement, parce que aussi la rentrée chiffres, académique aujourd'hui. Voilà, parce que nous avons essayé d'agir pour un accroissement sur la prime institutionnelle, qui a été observée déjà pour donc, tout le personnel scientifique et administratif à partir du deuxième trimestre de l'année en cours. Nous avons, en termes de chiffres, aligné 3240 agents qui étaient non payés et qui ont été cette fois-ci mécanisés. Nous avons 242 chefs de travaux qui ont été promus et mécanisés. Il y a eu alignement donc à la paye de 909 personnels académiques, 3996 personnels scientifiques, administratifs, techniques et ouvriers, 43 000 personnels scientifiques, administratifs, techniques et oubliés également pour le prochain donc, trimestre. Et puis 246 cadres et agents des services centraux avec d'autres actions en termes de correction des grades et en termes de perspective, le paiement des arriérés des rémunérations accumulées depuis mars, avril, mai et juin 2023, l'augmentation de 50% de la prime institutionnelle restante au T4 2024 à la paye complémentaire, donc conformément aux résolutions de la commission paritaire des Bois. Voilà, de manière ramassée, les efforts colossaux que déploie le gouvernement pour essayer d'améliorer sensiblement les conditions salariales de fonctionnaires. Mais en même temps, je l'ai dit, j'ai insisté que les fonctionnaires allaient donc
à travers notamment leurs organisations, leurs différentes délégations syndicales, nous accompagner dans les efforts d'assainissement pour dégager des économies et essayer d'aller davantage plus loin en 2025 et en 2026. Voilà, merci Monsieur le Vice-Premier ministre. Si nous devons cumuler les chiffres à la fois des médecins, des enseignants, des professeurs d'université, nous sommes déjà à plus d'un million. S'il faut combiner tous les efforts consentis. Après, il y a les régimes généraux. Après, les régimes généraux. Il y a les régimes généraux qui arrivent parce que nous allons en discussion la semaine prochaine, sachant que les régimes généraux, c'est toutes les autres catégories d'agents et fonctionnaires de l'État, des ministères, des institutions, mais aussi le chef de l'État nous a toujours rappelé qu'il faut prendre en compte aussi la grande muette de qui je vais faire. Bien sûr. Alors, on va commencer. On va commencer. Ils seront concernés avec les prochaines augmentations. Voilà, Monsieur le Vice-Premier ministre, votre exposé a été très clair, mais je pense qu'il existe encore des zones pour lesquelles les journalistes voudront obtenir des éclaircissements. On va commencer notre série de questions avec Monsieur Serge Tseka. Et puis, ce sera Monsieur Pichu Mulumba. Question brève, s'il vous plaît, pour lui permettre de répondre directement et de prendre le maximum des questions. Merci, Excellence, pour la parole accordée. La première question vous est adressée, Excellence, Monsieur le ministre de la Communication, qui s'engagne. On a suivi l'activité du chef de l'État et du gouvernement, mais la question, qu'en est-il de l'indemnisation des victimes de ce qui s'est passé à Kisangani et les plaies sont restées béantes, les familles continuent à pleurer de morts et de pertes accusées. Monsieur le ministre de la fonction publique, je suis heureux de vous entendre avancer des chiffres, tous les efforts que le gouvernement a consentis pour améliorer le bien-être des fonctionnaires. Mais malgré cela, il y a quand même, on voit ça et là des grèves, des médecins, des enseignants qui traînent les pieds, qui se disent mal compris par le gouvernement qui ne tient pas parole. Et puis même sur le plan économique, les efforts consentis par le gouvernement ne semblent pas portés parce qu'érodés par le taux d'échange. Ne serait-il pas possible qu'on puisse indexer carrément le salaire des fonctionnaires, des enseignants, en particulier en devise sûre, de manière à ce que même s'il y a d'évaluation, qu'ils puissent avoir quelque chose, que les efforts du gouvernement restent quand même constants, parce qu'on a comme l'impression que tous les efforts sont en train de tomber dans l'eau du fait de ces problèmes. Merci. Alors, rapidement, sur la question de Kisangani. Vous avez suivi le briefing que nous avons fait avec le ministre d'État, ministre de la Justice sur place. Si vous avez regardé, parmi les premières activités du président de la République, c'était de faire la visite sur le site du Genocost. Le président de la République a fait une descente à Frivao, au bureau de Frivao. Le Frivao, c'est les fonds des réparations et d'indemnisation des victimes de l'agression ougandaise. Une enveloppe de 2,5 millions de dollars a été remise à l'Église catholique. Une autre enveloppe, des enveloppes d'à peu près 2000 à 2500 ont été données. C'est cela le processus d'indemnisation. Dès par les passés, il y avait des soupçons en termes des gestions des mandataires qui étaient. À cette question, le ministre d'État, ministre de la Justice, a dit avoir, en tout cas, la justice s'est déjà saisie de l'affaire. C'est de ce côté-là qu'on pourra faire la lumière sur ce qu'a été la gestion de ceux qui étaient là-bas. Mais pour le reste, il y a un nouveau bureau qui a été installé. Le ministre de la Justice, comme le ministre de la Fonction publique, ont des liens particuliers avec la ville de Kisangani. C'est vous dire que la question de l'indemnisation est une question qui est prioritaire. Il y a un plan, il y a des fonds qui ont été décaissés et pour lesquels la rigueur a été remise. Et si vous avez vu la symbolique du passage du président de la République lui-même au sein de Frivao, ça veut dire que tout est propre et que la procédure plutôt d'indemnisation suit son cours normal. Monsieur le Vice-Premier ministre. D'abord, je veux préciser, parce que vous continuez toujours à parler de ces liens particuliers, je voudrais informer que je suis de Bumba, de la Mongala, mais que je l'ai dit, ce n'est pas un secret d'État, lors de la relégation
des fondateurs de l'UDPS en 82. Nous avons, nous, été relégués à Bumba, chez nous. Et nous étions petits et à l'époque, nous avons été... relégués à Bumba ou Kisangani ? À Bumba. Bumba. Et ensuite, après, nous avons eu la chance d'avoir des oncles qui étaient à Kisangani, à Kéan, et qui nous ont... qui sont venus nous chercher à Bumba pour nous amener à Kisangani, où nous avons passé quelques années. Et donc, ces liens forts auxquels fait allusion donc, Patrick Mouyaya. Alors, concernant votre question, elle est pertinente. Elle est pertinente et ça ne concerne pas que les enseignants, mais ça concerne tous les fonctionnaires. Ce qui est là, ce que je vous ai dit, le président de la République a préféré que nous puissions trouver des solutions systémiques, des solutions durables à ces problèmes d'enseignants. Et arrêter chaque fois de chercher, de trouver comme ça des solutions ponctuelles, mais qui après se trouvent être inefficaces. Et ces solutions systémiques-là, aujourd'hui, c'est la mutation administrative des enseignants. Comme je venais de le dire, c'est-à-dire faire de l'enseignant, un peu comme sous d'autres cieux, un fonctionnaire à part entière. Voilà, ça permet à ce qu'il ait une carrière d'abord sécurisée, parce qu'aujourd'hui, le salaire est plutôt appartient à l'école, et puis ils sont tout le temps désactivés. Donc il faut que l'enseignant soit fonctionnaire. Bon, pour être fonctionnaire, il faut passer par des contrôles assez drastiques concernant les fichiers. Donc nous allons contrôler les fichiers parce que ce n'est un secret pour personne que ce fichier le fichier de nos enseignants est totalement corrompu avec beaucoup d'enseignants fictifs, beaucoup d'écoles fictives d'ailleurs, comme vous le savez. Et donc nous allons faire ce travail, c'est ce que nous sommes en train de faire en collaboration avec la ministre d'État, ministre de l'Éducation, Raissa Malou, et nous pensons que c'est la meilleure réponse à donner. Mais en attendant, nous sommes obligés de procéder donc à ces ajustements, à ces réajustements par rapport au dollar. Et en même temps, je vous l'ai dit, parce que j'ai parlé de réformes liées à l'amélioration donc, des conditions salariales des fonctionnaires, des agents et fonctionnaires de l'État, c'est essentiellement à ce qui concerne la réforme de la politique salariale dictée par le président de la République que nous sommes en train d'élaborer sous la supervision de son Excellence Madame la Première Ministre et avec la collaboration du ministre d'État, ministre du Budget et ainsi que du ministre de Finances. Je crois que d'ici la fin de l'année, nous aurons la première matrice pouvant nous permettre l'année prochaine certainement de doter notre pays enfin d'une politique salariale qui puisse soigner les blessures sociales dans notre pays. Je vous ai parlé des enseignants. Je suis moi-même fils d'enseignant. Vous savez, c'est enseignant de tous les niveaux, jusqu'à l'université. Il faut se mettre à la place de ceux qui sont sous-payés pour comprendre la colère légitime des enseignants. Et c'est pour cela que les gouvernements que dirige donc la première ministre Judith Suminwa-Tuluka fait tout pour essayer de donner des réponses, disons, des solutions palliatives, en attendant la grande solution qui sera portée par cette politique salariale, qui va certainement, donc, qui aura pour vocation à éradiquer les disparités qui existent entre administrations, entre catégories d'agents publics dans notre pays. Voilà. Et j'ai noté tout de même votre proposition qui sera versée, je vous en fais promesse, dans les discussions concernant cette nouvelle politique salariale. Voilà, on va prendre la question de M. Pichu Mounoumba. Merci beaucoup, M. le ministre, pour la parole. Permettez-moi de commencer par une question d'actualité vous concernant, puisque vous avez, à l'entame de ces briefings, fait les résumés du séjour du président de la République à Kisangani. Comment les gouvernements, par votre intermédiaire comme porte-parole, interprètent-ils la position claire du chef d'État sur la question de la révision constitutionnelle qu'il a exprimé là, à Kisangani. J'ai une préoccupation concernant le vice-premier ministre. Vous avez annoncé avec une grande ferveur la mécanisation, on avait noté,
des inspecteurs, contrôleurs et agents nouvellement recrutés de l'inspection générale du travail au quatrième trimestre de cette année. Où en êtes-vous? Bon, alors, cher Pichu Munumba, je savais que cette question allait revenir parce que moi, j'ai l'impression qu'on veut faire dire au président de la République des choses qu'il n'a pas dites. Le président de la République, s'exprimant sur ce sujet, a dit que ce n'était pas une urgence. Je crois qu'il a dit. Ensuite, le président de la République a aussi dit que l'année prochaine, il mettra en place une commission pluridisciplinaire avec les Congolais de tous les bords pour réfléchir. La constitution que nous avons, il faut la lire aussi, parce qu'elle prévoit notamment de mécanismes comment la révision, elle peut se faire. Il faut considérer que pour le moment, nous n'y sommes pas encore. Mais parce que je savais justement que cette question reviendrait, je voudrais qu'on suive lui-même, le président de la République, lorsqu'il a été interrogé à ces sujets par un étudiant, parce que le président de la République a eu l'occasion de discuter avec les étudiants. Écoutez plutôt sa réponse et je veux revenir pour faire un complément. Moi, ma personne importe peu. Je pense que si nous avons un pays où les institutions sont fortes, quels que soient les individus qui seront là, c'est le pays qui va gagner. C'est un pays aux institutions fortes qui gagnent, pas aux personnes fortes. Voilà. Voilà, je pense que c'est une réponse qui est courte, mais qui est clair et qui devrait clore ces débats, parce que ces débats, il aura lieu l'année prochaine. La commission pluridisciplinaire qui aura des Congolais qui viendront de toutes parts pourra discuter sans encombre autour du texte, parce que le texte de la Constitution, c'est un texte qui nous appartient à nous tous, comme ressortissants d'un pays, que vous soyez de l'opposition, de la majorité, de la société civile. C'est une réflexion parce que nous sommes au bout de 4 processus électoraux. Nous sommes sortis d'un processus de belligérance pour entrer dans la consolidation de la démocratie. On a des difficultés et les soucis principaux, tels que le président de la République l'a résumé, c'est d'arriver à voir les institutions fortes. Donc il faut considérer que si révision de la Constitution doit avoir lieu, elle essaiera pour le bien de nos institutions et pour les bénéfices du peuple congolais. Je pense que, monsieur le vice-premier ministre, je ne sais pas si vous aurez un petit rajout sur le sujet, parce que ce n'est pas le sujet principal, mais l'idée ici, c'est d'abord de rappeler que nous travaillons sur le plus urgent. Le vice-premier ministre l'a dit tout à l'heure, mais que cette question fera l'objet des réflexions plus tard, et les moments venus, les conséquences pourront être tirées. Ah, écoutez-moi, je n'ai pas entré... Je ne vais pas vous contredire, parce que ce que vous avez dit est tout à fait juste. Je peux même aller plus loin. On ne peut pas interdire la réflexion dans un pays. La Constitution est une loi fondamentale, mais une loi quand même. Une loi, vous savez, a vocation à être modifiée, changée à partir du moment où, si telle est la volonté de la communauté nationale à partir du moment où elle présente des faiblesses. La question qui a à se poser, c'est de savoir est-ce que notre loi fondamentale comporte-t-elle des faiblesses? Je crois que la réponse est oui, indubitablement, oui. Quelles sont ces faiblesses? Les experts nous le diront, chacun peut donner ses réponses. Moi, en tant que gestionnaire des ressources humaines de l'État, je peux déjà avancer une petite piste. Moi, j'ai toujours dit, et c'est mon avis personnel, que notre Constitution, celle qui est là, consacre une hyper-institutionnalisation de l'État, ce qui crée en réalité l'obésité de l'État. C'est une Constitution qui consacre l'obésité, et cette obésité de l'État, qu'on le veuille ou pas, obstruit, fait obstacle au développement du pays. Donc, si on peut réfléchir en termes de dégraisser l'État, parce que nous parlons souvent de la diminution du train de vie de l'État, il n'y a pas seulement à diminuer le train de vie de l'État en termes de salaire, parce qu'après, il y a des missions, il y a ces institutions, les responsables des institutions qui tombent malades, qui sont prises en charge.
il faut aussi réfléchir sur l'ensemble de la structuration institutionnelle telle que léguée par cette Constitution. Moi, je n'ai pas peur qu'il y ait débat, et comme dans d'autres pays, sous d'autres cieux, qu'il y ait éventuellement, pourquoi pas, retouche de la Constitution, révision, ou même, pourquoi pas, changement. Ce n'est pas un tabou. C'est pas un tabou, on peut décider d'avoir une nouvelle constitution, si telle est la volonté du peuple. Je ne sais pas pourquoi on va interdire à notre pays de faire une sorte d'autocritique, de regarder cette constitution et de dire qu'il y a un ça ne va pas sur le plan des procédures institutionnelles. Le président de la République l'a dit, pour obtenir un gouvernement après les élections, c'est tout un problème avec des procédures assez lourdes et ça nous prend, ça nous fait perdre comme ça 6 mois, 7 mois. Bon, ce sont des questions qui doivent préoccuper au plus haut point le peuple. Et lorsque je parle des institutions, je parle du poids, c'est parce qu'une bonne partie du budget national de notre pays aujourd'hui est orientée vers les institutions, vers le fonctionnement de ces institutions-là. On peut réfléchir si notre pays est prêt pour ces fardeaux-là. Et le secteur du développement est préjudicié. On peut réfléchir. Pourquoi pas pour la suppression de telle ou telle autre institution, pour que des millions qui... ils sont donc orientés, puissent servir à construire les routes, les ponts, les chemins de fer, à acheter des avions et autres. Bon, on peut décider à ce moment. Excusez-moi, monsieur le ministre, parce que je suis peut-être ministre de la fonction publique, mais je suis aussi un homme politique et un parlementaire. Donc il faut à un certain moment arrêter de plaisanter avec l'avenir d'une nation. Si les États-Unis ont modifié leur constitution avec des amendements de par leur histoire, la France et d'autres pays d'Afrique, je ne vois pas pourquoi on va interdire aux Congolais de réfléchir sur éventuellement la modification, le changement de leur loi fondamentale. Il faut à un certain moment arrêter de faire des jeux politiciens partout sans tenir compte de l'avenir de la nation. Il faut que nous nous retrouvions sur les fondamentaux. Il y a des fondamentaux. Et il faut vraiment qu'on essaye de faire avec. Je ferme la parenthèse. Bon, pour la fermer, pour la fermer définitivement, oui. De toute façon, M. Pichu Mulumba, la commission sera pluridisciplinaire. Ceux qui parlent aujourd'hui dans un sens ou dans un autre comprennent, au-delà du schéma politicien que l'on veut inutilement amener dans ces débats qui doivent être républicains, pourront faire partie de cette commission. C'est des Congolais, les moments venus, on ne peut pas nous empêcher de réfléchir. Surtout pas lorsque nous voulons, dans l'esprit du président de la République, nous assurer que nous avons des institutions qui sont fortes. J'espère que cette question ne reviendra plus. Monsieur le vice-premier ministre, allez-y. Voilà, ça, j'allais répondre à une autre considération sur cette question. Non, merci. S'il y a débat autour de cette problématique, peut-être que vous ferez partie de la commission l'année prochaine. Je ne sais pas, mais en tout cas, nous allons essayer de donner notre contribution de loin ou de près. Ça, c'est clair. Alors, s'agissant de la mécanisation, on m'a posé une question en rapport avec la mécanisation de nouveaux inspecteurs et contrôleurs du travail. C'est bien cela. Oui, je voudrais vous informer que nous avons réussi à insérer dans le fichier paye du mois en cours, du mois d'octobre, une prime pour tous les inspecteurs et contrôleurs du travail. Restent les administratifs qui prestent donc avec eux. Et la prime qui a été payée à hauteur de 30% concerne l'ensemble de 2343 inspecteurs et contrôleurs du travail ainsi que les administratifs. Pour la mécanisation salaire de base, 1400 ont été effectivement mécanisé. Il y a eu omission de plus ou moins 994, si je ne m'abuse, et on est en train de faire une paye complémentaire pour régler la question. Mais aujourd'hui, ils sont déjà
rémunérés et ils ont déjà à leur disposition une rémunération pouvant leur permettre, surtout ceux qui venaient de l'intérieur, de tenir le coup et de commencer à travailler dignement. Voilà, on va prendre les trois dernières questions qui restent en série pour nous permettre de faire une économie de temps. Donc, ce sera Benoît Niemba, Eric Izami et on terminera par Jimmy Mukini. S'il vous plaît. Merci de la parole, Excellence. Vous avez fait mention, Monsieur le ministre Mouyaya, vous avez fait ici mention du fait qu'on a vu le VPM aller avec l'annuaire chez le chef de l'État. Et ça reprenait les fonctionnaires des services centraux et des divisions à Kinshasa. Et vous avez mentionné ici, Monsieur le VPM, que vous irez progressivement jusqu'à prendre le Kassai et les autres provinces de la République. La question, c'est de savoir, nous savons que vous êtes méthodique. Court, moyen et long terme, le travail pourrait être terminé quand ? Pour l'ensemble de toutes les 26 provinces de la République, pour la mandature des 5 ans. C'est ça la question ? Oui, c'est la question. La première. Ah. Et, oui. Deuxièmement, il y a quand même des fonctionnaires de l'État qui œuvrent dans un domaine spécifique. Je vois ici les agents qui travaillent au niveau de l'OVG, Office de vulcanologique de Goma. Souvent, on entend parler de quand il s'agit d'aller en grève. Je voudrais savoir comment est-ce que ceux-là sont gérés. Parce que lorsque eux ne font pas le travail, malheur peut arriver, et notamment embraser la ville de Goma. Voilà, monsieur le vice-premier ministre, allez-y. On peut répondre directement. Comme ça, on prendra la dernière question du Mukini. Voilà, donc... Concernant la fin du processus, je voudrais ici informer, rappeler que l'identification biométrique a eu lieu à travers tout le pays. Et on a clos le processus, sauf évidemment pour, et je l'avais précisé, pour les territoires qui sont actuellement sous occupation, notamment Rutshuru, Masisi, où nous avons pu y accès. Mais et aussi les Sankourou. Je voudrais informer les agents et fonctionnaires du Sankourou que les processus d'identification après la remontée des données et la certification, la dernière étape de l'identification physique aura lieu à partir du 11 novembre. Et après ça, nous allons, comme pour d'autres provinces, procéder à la validation des données à travers des ateliers irrelatifs. Et ensuite, après, nous allons procéder donc à la publication des données. Nous allons comme ça. Les données pour toutes les autres provinces, à part les Sankourou, toutes les autres provinces, sont d'ores et déjà disponibles. Nous sommes en train de faire les ateliers de validation. Et je pense que la publication, comme je l'ai dit, sera progressif parce que c'est moi-même qui vais donc faire la supervision et nous commençons par le Grand Kassai où l'atelier de validation avait déjà eu lieu. Nous irons spécifiquement pour le Sankourou au mois de février, mais nous avons un calendrier qui va nous conduire jusqu'au 30 juin 2025, s'agissant de la publication, parce que les données sont déjà là. Mais si vous entrez dans le portail de la fonction publique, parce que la singularité aujourd'hui, c'est la dématérialisation des démarches administratives. Ce qui fait que même vous, comme vous êtes là, vous tapez www.fonctionpublique.gouv.cd, eh bien, vous accédez au portail de la fonction publique et vous verrez la petite fenêtre qui va s'ouvrir, c'est l'annuaire. Et vous tapez annuaire. Si vous avez le numéro 1, numéro matricule de votre frère ou de votre épouse ou de votre cousin, si c'est le fonctionnaire, il peut vérifier sa situation administrative et faire ses démarches. Modification des noms, demande de mécanisation, il sollicite... déblocage de prime, alignement à la prime, démission, c'est très rare, mise en disponibilité,
et autres. Et en bas, il y a son bulletin de paye. Il a toutes les précisions. Il a la précision sur ses cotisations SENSAP. Il a l'âge de départ à la retraite. Il a sa page personnelle. Et peut faire ces démarches de manière tout à fait dématérialisée. Et c'est ça la singularité. Vous pourriez vous-même aussi vérifier. Ce qui est déjà dans le portail, ce sont donc les données publiées. Le service centraux, vous l'avez dit, et divisions urbaines de Kinshasa. Et à partir du mois prochain, dès que nous allons faire les Grands Kasaï, ensuite le Grand Katanga, Grand Équateur, progressivement, les données aussi provinciales seront donc disponibles dans le portail. Et à partir de juin, donc 30 juin 2025, sauf petit changement, mais en tout cas au 30 juin, nous aurons le fichier unique global de tous les agents et fonctionnaires de l'État. Je souligne, je précise qu'à Kinshasa, nous sommes partis des listes déclaratives de 450 000 agents et fonctionnaires de l'État, et seulement 113 000 agents et fonctionnaires ont été certifiés réguliers. À l'intérieur du pays. Et les restes ? Les restes sont irréguliers. Et donc exclus, donc écartés du fichier. Mais après, ils ont la latitude de régulariser leur situation. Je voudrais dire à celles et ceux qui ne se retrouvent pas dans l'annuaire de ne pas se sentir totalement exclus. Ils sont écartés pour des raisons d'irrégularité, mais s'ils estiment qu'ils ont quand même droit de pouvoir de prétendre à y être, donc à être inséré, eh bien, la direction, la DBDR est à la fonction publique de manière permanente, du moins pour ceux qui sont à Kinshasa et ceux qui sont à l'intérieur du pays. Il y a donc des antennes au niveau des divisions provinciales, donc de la fonction publique. Nous allons faire en sorte que personne ne soit lésé, sauf ceux qui sont dans la fraude, des fils qui utilisaient des numéros matricules de leur père, des frères qui utilisaient le numéro matricule de leurs frères, des cousins, des voisins et autres. Et tous ceux qui détenaient comme ça des numéros matricules d'emprunt ou de faux numéros matricules fabriqués de toutes pièces. J'ai vu un arrêté circuler avec des numéros faux. Il y a des Congolais qui, des fois, croient à ce genre de choses et donc se présentent avec des faux numéros, de faux arrêtés. On ne peut pas les prendre. C'est cet assainissement qui nous permet d'avoir un fichier fiable, non corrompu, qui peut alors progressivement, et là je vais peut-être chuter par là, monsieur Mouya, vous m'excuserez, j'entends beaucoup de fonctionnaires dire oui, mais j'ai été identifié et jusqu'à présent, Bazo Futangaïté, Nga Nazali na Luozi, Nazali Awa na Bumba, Nazali na Kabea Kamwanga ou na Kamina, je ne suis pas payé, je ne suis pas rémunéré. C'est justement ça l'intelligence, c'est que vous n'êtes pas rémunéré depuis 10 ans, maintenant nous allons essayer d'assainir. Et les moyens qui seront tirés, parce qu'à un certain moment, nous allons dire, bon, stop, seuls ceux qui sont identifiés, certifiés réguliers, seront rémunérés. Donc, nous allons faire des économies et nous allons prendre ces économies pour les affecter maintenant à ceux qui sont véritablement à la tâche de fonctionnaires qui travaillent effectivement avec une nette amélioration de leurs conditions salariales. C'est ça l'intelligence de cette réforme. Monsieur le ministre, on nous demande souvent, Bopé Sabi, ce numéro matricule. Ah, Bopé Sabi, ce numéro matricule, ce n'est plus possible aujourd'hui. Parce que, vous voyez, nous numérisons, nous allons mettre en place ces dispositifs biométriques avec cette transformation numérique, mais ça ne suffit pas. Je vous ai parlé du cadre juridique pour essayer de renforcer la discipline. Aujourd'hui, ceux qui alignent les nouvelles unités sont systématiquement sanctionnés. Et nous avons aussi renforcé, je vous l'ai dit aussi, des cadres organiques pour ne pas retomber dans le travers du passé. Sinon, après, nous n'allons pas nous en sortir si nous refaisons encore la même chose. Bopé Sabi, son numéro matricule, distribuer des numéros matricules comme ça se faisait avant aux membres de partis politiques, des batteurs de tam-tam, je n'ai rien contre eux, des cousins du village et tout le monde. Ça ne peut plus passer comme ça. N'est pas fonctionnaire qui veut. Il faut essayer alors de faire ce que j'ai appelé tantôt, d'entrer dans le paradigme d'une gestion prévisionnelle des effectifs. L'État n'engage que le fonctionnaire dont il a réellement besoin. Même les médecins, vous avez là, et je l'ai dit devant eux, des hôpitaux aujourd'hui
de 200 lits avec 700 médecins, des hôpitaux de 50 lits avec 500 médecins, notamment à Barumbu. Donc ça ne peut plus continuer comme ça, avec des déserts médicaux à l'intérieur du pays, paradoxalement. Donc il faut une réorganisation. Kokota a coupé sa numéro matricule, n'a boité, il faut que ça la concours. Et exceptionnellement, il y a n'a coupé sa numéro matricule sur titre, ça peut exister, c'est autorisé par la loi, mais seulement pour occuper un poste qui est organique et budgétairement prévu. Mais pas couper sa numéro matricule au tiers dans la poche, arrêté, froissé depuis 10 ans à la recherche d'une improbable affectation. Monsieur le ministre, non, ça ne peut plus continuer comme cela. Nous allons revenir évidemment, il y a beaucoup de choses à dire au sujet de l'administration publique, mais là nous devons terminer cet exercice de redévabilité. Un petit complément, Eric Isami, nous ne travaillons pas en fonction de la durée du mandat. Nous avons hérité, le vice-premier ministre l'a dit, nous avons hérité des problèmes depuis des décennies et les solutions que nous voulons prendre des solutions qui vont rester pour la prospérité et qui vont au-delà du mandat. Nous ne pouvons pas penser être court-termistes parce qu'en réalité, nous faisons notre part, en tout cas sous la direction du président de la République, pour faciliter la tâche à ceux qui viendront demain. C'est pour ça que nous disons régulièrement que même ceux qui font de l'opposition, ils doivent faire de l'opposition positive. L'opposition positive, c'est de venir dire, questionner les choix faits notamment au niveau du ministère de la fonction publique pour dire ces choix-là n'est pas bon. Est-ce que vous ne pouvez pas améliorer de cet endroit? Ces critiques, nous ne l'entendons pas. Mais ce qui est sûr, c'est que nous avons un plan, une boussole qui fait qu'aujourd'hui, dans tous les secteurs, nous sommes en train d'avancer. Ça prend du temps, la population est impatiente, mais vous savez, on a eu des décennies de retard. Ce n'est pas en 6 ans que tous les problèmes seront réglés, mais en 6 ans, toutes les bases ont été posées pour des solutions qui vont rester éternellement, entre guillemets, si je peux me permettre, parce que nous estimons que le point que nous atteindrons, on ne pourra plus descendre plus bas. Voilà. La dernière question, M. Jimmy Mukindi. Juste préciser, s'agissant de l'OVG, ce que vous avez promis, l'OVG, je veux donc prendre langue avec le ministre de la Recherche scientifique pour essayer d'en savoir un peu plus et nous pourrions trouver donc des solutions à ce qui concerne les agents qui sont, donc, comme vous l'avez dit, en grève. Voilà, merci. Merci beaucoup, Excellence, ministre Pona Malobo Pessingaï, Yayambonako Tuna, Motuna Nangana, VPM en charge de la fonction publique. D'abord, VPM na PCO. Longonia, il y a bana kisasa pour tout le monde à rendre au tambour à la Kinshasa deux fois au tambour à Makolo. Et le coin est séparé sa rabana Kinshasa. Ambon, Monsieur Longonia. Nga, nazo tout le monde tourne na compte ya KNB News, Kinshasa na biso. VPM, na koyo kayo koloba, na mi lobeli ke nazo yo kabatomi bale. Premier parti ya speech na yo, o lobeli essentiellement dingo au ton d'ici batonaliste ya fonction publique. Tant que tout une question de la Constitution, VPM aux alliés pour que ventiler le service à l'État. Ce qui est le but de Kendi, na Oyo Bengi, topé na Oyo Zalaka, dématérialisation, il y a administration na Bisso, Pambati, to yebi fonctionnaire à l'État à Congo, à Kendara Moussala, pour na ko signer. A qui a signé à Zongi Nandako? Quelque part, Batouana, ba yibaka l'État. Na nyonso oyo lobi na lukina parce que na radio e banditi suka na lukina comprendre ici ka VPM ache mitambu oyo ko lo backer fonctionnaire wa ko sala musala teto oyo sala musala mala muté mbano bo ezali ko zela parce que biso to bi a na Kinshasa fonctionnaire a longwa katiliwa soko alati babenga numéro matricule e lo ka nzoto soko alati lo ka nzoto a ko longwa te espoir ni boko pe sa jeunesse oyo na ba nouvelle technologie za ikoya na ba mayele ya sikizel koya oyo ba koya pe ko kota ko bénéficier na ba service ya l'état soit to lobito kende musique ate excellence lelo atana ba cabinet atana ba nazam kousé atana ba cabinet analyse atana ba cabinet atana ba na ba institution ebélé ba to ba travailler ka bazaka muke ba to oyo ba futa ma bazaka ebélé na suki wana soki ko koyeb sabiso à part mutukobi mana retraite
est-ce que fonctionnaire Moussousou a recouti Kamoussalate pour nous dire qu'il a battu Moussousou et Sikao Bazali plus compétent et qu'il aura un bénéfice à l'État? Nakéine, Excellence Patrick Mouyaya. Excellence Patrick Mouyaya, félicitations à Ozali Kosalana, secteur Nabiso et communication et médias. Nalina Tuna Moutala, Moutuna Oiza, simple. Olimbi, ça parce que l'obito zone est la question constitutionnelle. Il y a un débo pélissé, il y a un mot au micolo parce que Nabate ou Bakoufa, Basekoui, pour Nakolobela, question, il y a révision, il y a constitution. Excellence, Ozali, n'a impression, ton arrière-goût, que moi, ma intervention, na yo, et Kinda qui n'a sens, il y a quoi appuyer. Toloba changement à constitution en athée pour excellence le bail que na gouvernement na bousolo li amoté mais awa chef de l'État a bois qui déjà maloba na kisangani dernièrement est-ce que boko kota na jewana si vite ou bien école kanane ngeni parce que question yango ezali ko diviser na bi que ben élément de réponse ezali qui na français mais na li pe bandeko ya lingala ba soso la ba yok merci na recepela VPM ba na ko pesa yano. Comme ça, l'air aussi, il s'en a un peu et un auto silica. Ok. VPM. Je vais vous répondre, je vais vous le dire clairement. Hein? La Lingala. Croisons, mais on reste dans la Lingala. Non, on va répondre dans la Lingala, ce qui est Lingi. Motuna et Otuni et Ali Nambano. Kasi. Nabokundu ya oyo lobi nakoloba nakoba boye parce que olobite d'abord tango sali mwanzela mokuse olobi que na tondisi bato non otondi sabato mokoni na lobi kenga na tondisi bato na lobi régularisation oyo to sala ki na pese ki yango ndo sala allusion na yango régularisation ya ba notamment ba médecin na ba fonctionnaire mosusu to continue d'ailleurs yango hein. Ma nouvelle unité, oh, ça l'a depuis Kala. Parce que, na Pekisaki, ma secrétaire général, ma responsable administratif, kokoti sa ba nouvelle unité depuis 2022. Mais ça l'a kota depuis Kala. Ukuti maman moko y a infirmière, na clinique Ngalie, ma ça l'a depuis 30 ans. Mais ça a NU, c'est-à-dire qu'elle a un numéro matriculé. Oti ka ebongote. Depuis 30 ans, a agent, a fonctionnaire de facto, il faut qu'on régularise la situation administrative. Le médecin est belé, ça là depuis 15 ans, 20 ans, tout le sans numéro matricule. Il fallait te remettre de l'ordre, parce que tu as préparé déjà transformation numérique. Tu as un fonctionnaire sans identité administrative, à quoi que la carrière n'est normalement. Et donc, il y a un chiffre qui est là, et ça, qu'on régularise la situation pour que Bafoutama, Bazoapé, Bavantage, Dengue, Bamso, Bazoa. Et puis, surtout, ça, c'est plutôt le contraire. Ndeko. Jimmy Mkendi. Tout ça, c'est le contraire. Tolongoli, Ndeba, Oyo, Bazala qui va fraudeur. Tolongoli, Oyo, Bazala qui va fictif. Tolongoli, Oyo, Bazala qui va saigner trésor à l'État. Tolongoli, Bango, pourquoi? Parce que Bazali, il y a une irrégularité. Par exemple, Bazala qui a un faux numéro matricule. Bazala qui. Il y a un numéro matricule, il y a un tata, il y a un nonko, il y a un voisin, il y a un. Et ça, la marabou, on a un biso. Eh bien, maintenant, comme il y a une difficulté, il y a un cumulard. Il y a une économie, il y a une finance, il y a un dégérat, il y a un super assistant. Bon, alors qu'on a 3-4 salaires, mais qui est ça, la triptyque, équation, il y a un agent, un poste, un salaire. Il y a un autre bunda pour une meilleure répartition, il y a richesse, il y a un biso. Au salimoua, Changi Mouke, au Kotisinga, il y a un débat. Il y a Mouyaya. Il y a Robaté au lobby que. Non, dans le lobby que. Dans la constitution, dans Bisso, il y a les lois. Lecture Nangaï. Et ça dit qu'après, la constitution est belligérant. Ba institution moto est tondi makasi. Donc, il y a consacré un peu une sorte de hyper-institutionnalisation à l'État. Et ce qui fait que, si on lui transforme en lingala, il y a mon quoi, hein? Ce qui fait que, mbongo budget, il y a l'État, ce qui est au talimalam, ezali ming kokene na fonctionnement, il y a ba institution. Est-ce qu'il est interdit à réfléchir sur l'éventualité, comme sous d'autres cieux, il y a est-ce que, moment est-il à remettre en question?
pourtant qui bah institution et l'équipe elle soit que bobika a diminué à train de vie de l'État beaucoup qui quitte sa salaire. Je rappelle que tant on a quitté ça qui IPR pour un bah agent public qui a l'État de 15 à 3% de l'autre le bas, on n'a pas touché n'a bah personnel politique touché n'a bah personnel politique bah député bah ministre Tomatici Bango IPR pour n'a qu'on répondre n'a vu un chef de l'État qui quitte ça train de vie n'a bah 21% il y a impôt. On va retenir ma salaire, on va 21%, on pouvait aller vérifier la direction à pays pour que il y a justement qu'Okende qu'Ozala mieux réparti la population. On peut aller beaucoup plus loin. Je suis pour. Moi, je suis vraiment un fervent partisan. Il y a diminution, il y a train de vie à l'État. Mais ce qu'on a besoin là, que l'État en Guadeloupe obèse. Ah, il est obèse. Il faut dire les choses comme elles sont. Obèse, il faut qu'on dégraisse l'État. Alors, dégraisser l'État, parce que la constitution en Guadeloupe figée dans la constitution. Il y a un lobby qui n'est pas interdit. Il faut qu'on s'éloigne de la posture, de la polémique politicienne quand on touche la question au Yoboé pour qu'il y ait un redresser la situation. Mais en définitive, au Yotozali, au Sala, les Alliés, comme il y a un peu de temps dans l'administration, pour identifier les fonctionnaires en Yonso, au toucher point au lobby, dans le Bangwawa, Banque mondiale, en 2017, et ça a aidé l'État en Abisso pour la mise à la retraite. Pendant 8 ans de processus, on a dit que c'était une retraite. On a repris ça au chiffre. 923. Dont 800 au Bada qui sont pris en charge, effectivement. Et les lobos, en 2022, tant que tu es, la responsabilité, grâce à l'orientation de Zokina Mokondi Mboka, nous avons réussi avec. Une volonté farouche au Totsakina Mesa, avec détermination. Il y a quelqu'un qui dit ça, plus ou moins 11 000 en une année. Je vous parlais de 8 ans, la Banque mondiale tout de même. En une année, 11 000 Bakéi, pour laisser la place aux jeunes. Mais évidemment, Torozo, il s'était 11 000 remplacé par 11 000. Dans le Baki principe, il y a un fonctionnaire sur deux partants à la retraite. Il y a un mot Monakingaï, tout ça, il s'est concours, non seulement pour Naba Oyaena. Mais bon, mon aki, IGT, ce sont des jeunes. Oh, bon, mon aki, par exemple, la personne vivant avec handicap, ce sont des jeunes, c'est une nouvelle administration, mais aussi dans d'autres catégories, tout le monde. Et ce que nous prévoyons, et je chute par là, dans Mikoleza Koya, c'est, Yako Kendisa, plus ou moins 10 000 avant fin de l'année, pour libérer des postes. Libérer des postes, eux, ça d'abord que Batouba, Bao, Bazana Katiba, Bazala, promu. Parce que ma poste est bloquée par ma directeur, déjà retraitable, éligible à la retraite. Et ceux qui ont été retraités, ma secrétaire général retraité, ma directeur, ma secrétaire général. Ceux qui ont été directeur, ma chef de division, ma directeur, ainsi de suite, les nègres, ils ont libéré ma place pour que ma jeune ma côte. Voilà. Et tout le monde, ça, en sorte que rajeunissement, on a, et ça, là, qualitativement, et compétitivement. C'est-à-dire que ça, on a un dengue à Boigna, et là, il faut surtout battre, côte à côte, à côté, à côté, à côté, à parti politique, mais ça, là, le concours, et que ça, pour l'Europe, ça, on a une chance, et ça, là, moi, on a un moté qui m'a tembelé, et ça, là, moi, on a un ministre, on a une égalité devant, ni on a un principe, et on compte en administration publique, et traitement, là, on a échangé. On a un souci, ça, vraiment, la question, on a. Pour nous dire que ceux qui ont fait le concours, au commun, les lots de plus en plus jeunes, ils ont été bousculés pour Bayer Kokota. Pourquoi? Il faut dire les choses comme elles sont. Mais ils ont été bêta pour critiquer là où ça ne marche pas. Là où ça marche, on se tait, on regarde ailleurs. Aujourd'hui, il faut dire que les lignes bougent au sein de la fonction publique de notre pays. Le fonctionnaire d'hier, Azali différent d'un fonctionnaire d'aujourd'hui, qui a finalement, sur Otali Malamu, a réussi à conquérir dignité perdue, il y a lobby. Bada Otali a fonctionné sous le insulté. Et c'est même une fierté d'avoir un gendre fonctionnaire. Et quand je regarde les fonctionnaires aujourd'hui, dans la réunion, c'est bien vêtu, c'est Bada Naba milliard, Bada Naba million, mais le traitement dans Bango, ils ont la kisa que. Moi, changement est bandit au quota. Mingi oyo kaka salaire peut-être ou alors pisara primité. Toza ko bunda pour que moi niveau wana et mata. Et aujourd'hui, si vous avez un frère ou un ami fonctionnaire dans le ministère, dans la régie, dans le ministère, c'est vrai que
na lobby ma ba disparité bitumba tozana ngwa kubunda pour que ba administration nyoso ela na plus ou moins même niveau toko réussir mission wana. Mais il faut noter que volonté ferme ya président il y a ressort en sorte que administration et reprendre place dans on a il y a pivot il y a l'État dans la société eh bien nzela wana tozali petit à petit peut défi kozoyango peut défi wana tozali ko relever. Merci merci na ba réponse nayo vice-premier ministre. Tout bouge kaka la fonction publique mais tout bouge partout ce qui botali depuis président Félix Antoine Tshisekedi ya koma na bokambi boka oyo mbula nyoso to salaka effort budget mati ya ba fonctionnaire pe mati abisibino pona ba enseignant awa ba za 700 000 ça veut dire que za mutu moko te l'air biso tozo sala pona ba catégorie nyoso na moment moko bino moko pe bota la taille ya budget tozo nango botali pe ba kokoso ba defi mususu moko za nango kotonga banzela kotonga bitelo kotonga ba hopito nyoso aneza ba biloko biso tozo tala parce que biso nde tozo na tableau de bord. Si ko yozongeli question ya constitution pona lo bango na lingala. Omoni ndeko Jimmy er moko biso moko pe toti kaka koluka ka polémique partout. Ezana responsable politique moko te lelo. Soki okeyi kutu naye oya koloba nayo que constitution ana ezala biloko tokoki ko simbate. Soki toza biso nyoso sincère et cohérent. Parce que objectif au bisoto lukaka, eza objectif yako garantir efficacité à l'État. Bolanda ki président de la République ne yano pesa ki ba étudiant, président lobby, eza li kambu ya moutoute. Ce n'est pas une question d'un individu, c'est une question du renforcement ya ba institution ya l'État. Ye mokope a pesa ki, hein, moi ko limbo la moi moukie. Parce que mon indéngé tozo sa la ba briefing oyo, to sa la ka justement, po batou, ba komprena ka cheminement. L'air président lobby, ye aza garant ya bon fonctionnement ya ba institution. Ça veut dire que a sa li constat, ya ba élément moko oezo fonctionne malamouté. Na réflexion ya rosa la ya moussousou, neko VPM li ya ou ki est là depuis 4 ans, a oke koe bisaye moko nda lobby, omoni oyo, obésité zali. Nde komutsu soupe le lor kyo zana opposition, tope na société civile, tope étudiant, tope journaliste. Ok, pe ko la na réflexion na obi, mo konza mo ka makambo yo penza, bota lango boe. Objectif fo obi so nyon so tozo loko na lobaki. So ki revizye fo sala ma eko sale ma po na bola mu ya mbo ka na ba Kongole. Don, boti ka siko yo, ko koti sa batu, na makani sa batu ba zana bezwen ba se kwa. Formule na yomoko. Ko se kwa na bango, balingi ba ko fraude. Na malobo mo konzambo ka lobi eza clair, a lobi réflexion. Commission pluridisciplinaire. E la kisi ke ba toa mamaye le bako uta bisi ko ebele ba vandi. Est-ce que boko ki ko empêche biso gouvernement otoza ko kambambo ka po na batu ya majorité na opposition. To lobi tout sangisana noumaye le wana. L'air commission wane ko sila. Parce que question wana, président Lobaki, c'est pas une urgence. Commission wana, il faut salama mou tchami en place. Commission sali moussala et sali rapport. Parce que il y a trois possibilités pour nous faire la révision. 100 000 Congolais, je crois deux tiers, il y a assemblée na Sénat, topé gouvernement balobi, bon, toro sala boye. Kasi l'air balobi commission pluridisciplinaire. Et la kisi ke makamoro salama na transparence. Transparence yo moro le baron na lingala. Et osa man empoa sa. Ça veut dire que batou bakoya, bakanisi batali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ce qui 218 articles ou combien tosa nango, batali moutouna moutoua sali proposition nae. Na moment wana bako sala rapport na initiateur à commission. Ne na moment wana conséquence c'est qu'osa la tirer. Kasi oyo batu il faut ba retenir si koyo. Eza makambo VPM auti koloba. Eza makambo touti ko sala na Kisangani. Eza na makambo ezo sala mapona 145 territoires. Parce que ya motuya o biso tozo lukeza ke ba Congolais bazala malamu na Congo na bango. Donc
l'air toko koma na moment ya réflexion wana na ba conclusion ko bimila wana nyoso wana toko sala ngo pona ko permettre ba congolais bazala na kimia bazala na misala malamu bazala na banzela pe bazala na ba institution ezo pesa bango biyanu lors que lorsque ba koko sezali ba ko sabinoté ba chapé peuple na confusion te maloba mokonza mboka lobaki eza clair oyo pa lobaki na ba étudiant eza clair a lobeza likambo ya yete eza likambo ko pesa mboka ba institution ya makasi ndeko VPM tosi disi wana aussi o lobe belé. Est-ce que vous en avez qui a colobé pour la Russie? Il y a colobé peut-être il y a colobé tant que mon conseiller a colobé qui dit qu'on voit un azala qui présent, un bel étudiant. Peut-être pour ça il précisait en gros. Effectivement, colobé qui clairement que faut que colongola bas débat est à la subjectivité. Ils aiment marquer y a mototé, y a yété parce que mingia au sur balobi constitution ah. C'est que balingi baba qui sa mandat ah c'est que y a un moment il a insisté ah wana ba aspect au Italie makambo wana ba institution à l'état et tout ça au yezo rozoa misolo mingi misolo yezo ko empêcher il faut dire des choses dans vérité na peuple yezo ko empêcher développement na mboka na biso parce que ce qui besoin budget y a écolo ndam y a munene parti munene zo kende na ba fonctionnement ba institution il est clair que Banzela, ba train, ba aéroport, ba nini rosa arrêta et to bandara rosa la aider na ba FMI Banque mondiale alors que to roi ko bongisa na mbongo to za nango po total andengeni to roi ko tombola mboka na biso. Moi je crois que za ma beter rosa na débat wana et ezali tout à fait juste ndenge sala mara ba mboka nyoso et évitons ya ko za ba posture o ko ko diviser mboka. Il faut j'en appelle au sens de responsabilité et de la part des hommes politiques. Constitution, la loi fondamentale, on ne la change que d'une main tremblante. Toi et bien, mais c'est une loi. Ce qui est dans la faiblesse, il faut qu'on estirpe, comment qu'on rénove. En tout cas, on a dit qu'il y a un peu de temps. Merci. Merci de nous permettre de faire la précision. Donc, on a été dans le lobby, il y a un chiffre. On a dit qu'il y a un nombre de salles à l'État, la santé, on a été aligné. Mingi baloba kia wa, mais bayaka quand même kaka. Bayaka quand même kaka parce que baleki ebele oyo bazala ki payete, alignete. Depuis 10, 15, 20, 25, voire 30 ans. Je vois encore cette maman na Gemena, oepsenga moi nangai. Ça fait 33 ans, naza osala, même médecin directeur oaza li bosona, on gande na botisa maman nae. Mais naza na ni prime ni salaire. Voilà ce que nous gérons. O nazo benga passif lourd. Il faut gérer en gros sikoy. Et il y a tout ça pour pour que lobby lobby fonctionnaire nyoso ameka kozeba na kozana une petite place sous le soleil. Mon conseil mboka lobby tokende au-delà il y a ba solution wana ba commission paritaire. To tient en place politique il y a salarial il y a sika. Oyo et kozala plus juste. Oyo et kozala et kolongola ba disparité. D'abord entre ba administration. VPM, toujours conclure. Oui, entre ba administration, conclusion na ngayango. Entre l'administration, Peoyo et Kolongola, la disparité entre Kinshasa, Babadena Kinshasa, Babadena intérieur et Mboka. Toi, tu as une catégorie qui est assez, et tu as un comata. Tu as un enseignant, tu as un statut précaire dans le Biangwawa, tu as un lobby pour que tu aies un fonctionnaire à part entière. L'objectif est que lobby, justice sociale et Banako Zala. Qu'on régnait dans le cannabis. Donc, ceux qui sont analysés, c'est le Sénèque à l'Obaka. J'aime beaucoup l'expression de Rola Yoébi, que ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas. C'est parce que nous n'osons pas que les choses sont difficiles. Voilà. Je n'en dirai pas plus. Voilà. Ceux qui sont dans l'église, c'est le bien amen. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, d'avoir participé à cet exercice de redévabilité. Aujourd'hui, nous avons voulu apporter des éléments d'éclairage sur les discussions, les dialogues comme levier de la politique sociale du gouvernement, faire le point des avancées enregistrées. S'il y a des cadres permanents qui ont été institués, les discussions continuent. Les partenaires, les syndicats sont des partenaires de l'État. Et s'il y a des difficultés dans les partenariats, il y a des cadres prévus pour discuter. Merci à vous de votre participation et au prochain numéro.